aperçu que les vestes de montagne qui ont un col très haut et très protecteur étaient aussi une source d'inconfort pour certains parce que les matières très légères venaient en contradiction avec ce zip très rigide. On a essayé avec des techniques de patronage de travailler sur, sur un col plus accentué pour libérer le menton. On a vu que ça marchait un peu, mais pas totalement. Donc on s'est dit que si on n'arrivait pas à travailler sur ce point-là, on allait travailler sur l'autre composant qui nous gênait, c'est-à-dire le zip. We had some development meetings with EIDR and they asked us to look at the problem of the neck of a garment to touch the skin or to not be comfortable. When you talk about zippers, you want something to be flexible and smooth to operate. That's normally what we're looking for. But in this case, we try to introduce an item that is rigid and smooth at the same time. And merging these two ideas is how the idea of Fix-A-Shape was born. To create a zipper that is very user-friendly. By just zipping it up, it stays into shape and protects the skin, which is what EIDR was asking for. Après 3 ans de R&D avec YKK sur ce zip, on a eu le feu vert au mois de juillet. On avait une veste qui était prête pour accueillir ce zip. Et donc on a réussi au dernier moment à le lancer dans la nouvelle collection. Pour moi, c'est une innovation qui est ancrée dans la réalité des besoins des pratiquants. Ce n'est pas une innovation qui est difficile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Donc c'est pour ça que ça va marcher. I think this technology opens up a whole new way of looking at garment patterns and zipper applications in garments, because if you can have sections that you can change the rigidity or the shape or the direction or the form, I think there's a lot you can do. I definitely think it's going to work. It's I think it's a real innovation that has the potential to change the market.